Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous l'attendez tous, c'est le grand retour de la Food Zone. La Food Zone qui, comme vous l'avez deviné, pose ses valises du côté du Parc OL, du côté du Groupama Stadium, Lyon-Strasbourg, match de Coupe de la Ligue. Et encore une fois, ce match a été riche en enseignements. On a bien sûr, on va être sans doute comme à chaque fois. Analyser, décortiquer, regarder ce match en long, en large et en travers. Vous l'avez compris, c'est l'heure de la Food Zone. C'est parti donc par rapport à ce match. Et ce match, eh bien, a donné la victoire à Strasbourg. Et oui, qualification des Strasbourgeois dans un match assez étrange, on va dire la vérité. Parce que c'est vrai que Strasbourg a souvent, entre guillemets, fait le jeu, Strasbourg, enfin fait le jeu, a été réaliste dans cette rencontre. Strasbourg s'est procuré, entre guillemets, deux ou trois occasions et ont réussi à gagner. Et bah Lyon, eux, ils se sont procurés énormément d'occasions. On va bien sûr faire, comme à chaque fois, sur le résumé de la rencontre. Ça a commencé donc déjà avec la blessure de Kenny Lala. Alors, il s'était bloqué le dos. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi ça s'est passé. Et donc, ensuite, là, eh bien. Donc Jonas Martins se fait faucher. Et donc c'est donc l'attaquant Ajorque qui marque sur penalty malgré une bonne détente de Gorgelin. Les Lyonnais vont essayer d'égaliser, il y a notamment des frappes sur des poteaux, un poteau de Memphis, pas mal d'occasions à se dire bien arrêté par Camara. Mais à la 49e minute, on pense au coaching gagnant pardon, de la part des Lyonnais. Avec notamment eh bien, le but de Bertrand Traoré entrer en jeu à la place de Ferland Mendy. Mais cette équipe lyonnaise est friable, vous le savez, défensivement. Elle va le prouver 3 minutes après, sur un corner. Dimitri Liénard fait le corner. Lamine Koné saute plus haut que tout le monde. 52e minute, 2 buts à 1. Alors oui, les Lyonnais vont se créer des occasions. Avec notamment un coup franc de Fekir qui a notamment été atterri sur le poteau. Ils tenteront de marquer, mais Camara sera là. C'est, comme on dit toujours, hein, c'est une grosse déception pour les Lyonnais qui malheureusement n'ont pas été à la hauteur de l'événement, entre guillemets. Enfin, quand je dis pas à la hauteur de l'événement, je dis dans le terme de plus dans les deux compartiments du jeu, c'est-à-dire défensif et offensif. On a directement passé bien sûr à la prestation globale des Lyonnais. Parce qu'on l'a vu, on l'a bien vu, je veux dire, les équipes aujourd'hui, Lyon a un vrai souci vraiment de système défensif. Et ce match, finalement, a un petit peu confirmé ses craintes pour la simple et bonne raison que l'on l'a vu. Hein, ils n'ont pas créé beaucoup d'occasions, les Strasbourgeois. Mais on a bien vu que les Lyonnais ont des gros problèmes dans tous les contres. D'ailleurs, Strasbourg a trouvé beaucoup de décalage. On a trouvé des Lyonnais apathiques. On a trouvé des Lyonnais qui s'étaient ba fait battre dans les duels. On voit notamment le 1-2 sur le penalty qui occasionne le penalty. On voit notamment les Lyonnais qui, pardonnez-moi, se font avoir comme des débutants. Il faut Kenny Tété, malheureusement, doit courir pour arrêter la balle. C'est quand même assez chaud. On voit Marçal qui saute pas assez haut. Il y a vraiment un problème de densité. Il y a un problème enfin, pas d'envie. Je pense pas qu'il y a un problème d'envie parce que les joueurs se sont dépouillés. Mais je veux dire, on le sait tous. Lyon a un souci défensif depuis le début de la saison, avec notamment un gros problème dans ce secteur, notamment dans l'axe, parce qu'on voit beaucoup de joueurs. Ils ont augmenté le nombre numériquement. Mais le souci, c'est que ça n'a rien changé. Ça n'a absolument rien changé. On voit notamment un Diop que moi j'ai trouvé pas terrible du tout. Voilà, j'ai trouvé un Aouar qui s'est fait souvent passer défensivement trop facilement. Un Fekir qui avait du mal à revenir. C'est vraiment Martin Terrier, peut-être, et Memphis qui n'avait pas l'air de vouloir défendre. C'est vrai que il faut peut-être à un moment donné que les joueurs se ressaisissent. C'est vrai que bah, il faut quand même peut-être un peu plus tout ça. L'équipe de Lyon a un vrai souci d'un point de vue défensif, d'un point de vue dans les duels. Et du côté de Lyon, bah, la défense, elle tient pas la route. Et quand tu es face à une soirée où tu as du mal, où les occasions ne sont pas, on va dire, les occasions, tu n'arrives pas à les mettre au fond, à part l'occasion de l'égalisation de Traoré, bah, j'ai envie de te dire, bah, à ce moment-là, bah, tu te retrouves avec une équipe qui bah, n'est pas à l'abri d'un deuxième but. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. C'est-à-dire que Lyon est dans une situation malheureusement de menace permanente.
Et on va encore rappeler ce qui s'est passé en Ligue des Champions avec le Shakhtar, avec Hoffenheim, avec toutes ces. Alors des fois ça passe, comme le Shakhtar, des fois ils ont réussi à revenir. Mais quand on regarde par exemple Hoffenheim, ils doivent gagner le match. Ils doivent être, il y a 2-0, le match est plié. Et à ce moment-là, le Shakhtar se fait égaliser. Mais l'autre côté, eh bien, tu as Hoffenheim qui revient et qui revient de la plus belle des manières. C'est pour moi le problème de cette équipe lyonnaise, c'est que je pense que Lyon n'a pas suffisamment de coffre pour garder. Il va falloir peut-être que Lyon réfléchisse à peut-être recruter un défenseur l'année prochaine, parce que Dedeyer est sans doute un bon défenseur, il l'a prouvé, il avait fait des bonnes choses. Par contre, Marcelo Marsal, je trouve qu'encore c'est très léger. C'est pas le. Voilà, c'est extrêmement léger et ça se confirme de minute en minute. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il n'a pas pensé à remplacer notamment Diop par Ndombele, qui aurait pu apporter un peu plus physiquement. Là, peut-être c'est une grande question par rapport à ça. Allez, on va quand même passer bien sûr à l'équipe qui a gagné, Strasbourg. Strasbourg, je crois qu'on les avait fus pour Strasbourg PSG. Et bah cette équipe aujourd'hui, bah faut l'avouer, elle met beaucoup de cœur, elle met beaucoup d'envie, elle met beaucoup d'amour dans ce qu'elle fait. Et bah c'est étonnant, mais cette équipe, elle met vraiment ce qu'il faut. Alors oui, c'est pas toujours beau à voir. On voit notamment le match de ce soir où, et bah sur les deux rares occasions qu'ils ont, ils marquent. Je dis pas bien sûr que c'est. Voilà, mais Lyon est une bonne équipe, est une grande équipe, une équipe qui va au bout des choses. Mais Strasbourg va encore plus au fond des choses. C'est une équipe qui est généreuse. Et Thierry Loret pourra être vraiment très heureux et bah, de voir cette équipe qui vraiment. Et bah, tout le monde se bat. Tout le monde se bat. On voit Alior qui a le rôle le plus ingrat du monde. On voit Martinez, Mitrovic et le Koné qui ont fait une super action. Martin, Liénard qui est rentré, qui était très bon. Vraiment, moi j'ai adoré. Franchement, je trouve cette équipe a du cœur. Après, c'est pas l'équipe la plus agréable à avoir joué, mais voilà, elle est généreuse, elle a de l'envie, et c'est ce qui s'est prouvé ce soir, notamment dans ce match où Strasbourg a donc remporté ce match. Et bien forcément, on va passer maintenant, vous l'avez compris, à la prestation, au top et au flop. Et quels sont les tops et les flops de ce match? On va commencer avec le premier, c'est Camara. Alors Camara le portier. Alors bien évidemment on peut toujours mettre d'autres joueurs, hein, bien évidemment. On aurait pu mettre par exemple au niveau de Strasbourg, je vais vous les citer. On aurait pu prendre par exemple Thomasson qui était pas mal, Sissoko qui était bon. On peut citer par exemple, j'ai bien aimé notamment la prestation de Dimitri Liénard qui était très bon, etc. etc. Mais moi j'ai voulu mettre Camara parce que Camara, bah, aujourd'hui, te sort un arrêt qui est déterminant. Il était présent sur sa ligne. Honnêtement, moi j'ai trouvé un excellent Camara que j'ai trouvé excellent par rapport à ça. Le deuxième, eh bien, c'est Lamine Koné, déjà pour son but, mais aussi pour féliciter la défense strasbourgeoise qui a été excellente, franchement. Oui, alors on va me dire oui, mais il y a eu des occasions et tout, mais. Quand vous regardez bien, les occasions, c'était souvent loin. C'était jamais dans la surface. J'ai pas vu une action où la défense de Strasbourg a galéré pour s'en sortir. Moi, j'ai trouvé une équipe de Strasbourg qui vraiment était généreuse, qui allait. Et Lamine Koné en est le parfait exemple, notamment avec ce but de la part de Strasbourg par rapport à ça. Et le premier, eh bien, je crois que je l'avais mis au top, notamment dans le match contre le PSG. Jonas Martin, que j'ai trouvé excellent également dans ce match. Franchement, dans la générosité, dans l'approche du match, moi franchement, moi j'ai franchement moi ce joueur, je pense que c'est un excellent joueur. Mais après, il faudra qu'on me dise pourquoi on peut pas, pourquoi il s'est retrouvé dans cette galère en fait. Pourquoi il n'est pas plus. Pourquoi il n'est pas plus. Ça, je comprends pas, Jonas. Martin, franchement, il est très très bon. Ah, homme du match, Jonas Martin. Le mec qui occasionne le penalty, c'est vraiment un joueur que j'adore. Franchement, moi, moi j'adore ce joueur et honnêtement, je comprends pas pourquoi c'est le cas. On passe maintenant au flop. Et les flops, bah, vous avez compris, hein. Donc déjà, bah, c'est Memphis. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer de Memphis Depay qui à part un poteau, n'a absolument rien fait.
franchement, il n'a rien fait. Et c'est vrai que c'est vraiment le symbole de cette équipe lyonnaise. C'est que quand Lyon, quand lui commence à galérer, notamment aussi Fekir, on va en parler, ces deux-là, c'est vraiment extrêmement compliqué. Et donc, voilà, moi, en tout cas, Memphis, c'était une catastrophe dans ce match que j'ai pas trouvé très agréable. Ensuite, le deuxième, bah, j'ai mis Marçal. Alors, qu'on soit clair, hein, ça aurait pu être ça aurait pu être les deux. Hein. Entre Marcelo et Marçal, c'était vraiment les deux que moi, j'ai vraiment hésité pour la simple et bonne raison bah, qu'il est en retard sur la tête de Koné. Il a été mal. Enfin, moi, j'ai trouvé maladroit parfois dans certaines relances. Franchement, Marcelo et lui, c'est même combat, hein, qu'on soit clair là-dessus. Moi, j'ai ce sentiment un peu désagréable, en tout cas d'avoir un joueur qui avec un gros potentiel, mais voilà, défensivement, ça tient pas la route, et ça a été prouvé dans ce match. Et enfin, alors Kenny Tété aussi aurait pu y être, hein, mais Kenny Tété, bah, c'est plus la défense centrale que j'ai voulu mettre en avant. Kenny Tété, on est bien d'accord qu'il a été discret, ses centres ont manqué de précision, en plus il cautionne le penalty. Ah, il peut être très bien dans les flops lui aussi, hein, qu'on soit clair là-dessus. Et enfin, bah, le premier, c'est Nabil Fekir. Nabil qui a été décevant. Décevant. Il a un coup franc aussi au niveau d'un poteau. Le penalty, il le loupe. Alors le penalty, j'ai trouvé ça mais incroyable. Je sais pas comment il fait pour se le louper en fait. C'est impressionnant de voir ça. Le mec, il a mis une frappe, mais elle est partie, mais complètement à l'ouest. J'ai trouvé ça, mais waouh! Waouh! Franchement, moi, ça m'a épaté. Ça m'a épaté de voir ça. Franchement, où est le Nabil Fekir de l'année dernière? Sûr de lui, physiquement aussi agile. Là, clairement, moi, il est, pour ainsi dire, complètement à l'ouest. Et ça, c'est vraiment décevant. Voilà, moi, je tenais à le dire. Bon, voilà, c'est fini donc pour la prestation globale. Donc la prestation, la foot zone donc du match Lyon-Strasbourg. Alors je vous rappelle que demain on aura donc, bah, comme vous l'avez compris, on aura le deuxième match de Coupe de la Ligue qui sera proposé entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Strasbourg. Clairement, voilà, on va décortiquer tout ça, on va regarder tout ça. Je vous fais des gros bisous en tout cas sur le coin de la truffe. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette émission. Et bien sûr, mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Bien sûr, à la montrer à vos amis ou alors à vos abonnés. Bien sûr, on fait des gros bisous et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode de la Foot Zone. Allez, ciao tout le monde!